Il m'arrive parfois d'oublier l'intitulé de ma thèse, un blackout en plein travail. Alors que mon plan s'étoffe, mes rencontres avec les doctorants s'enchaînent, et plus je vois et apprends des choses, plus je me perds dans mes papiers et pensées. Tu viens de Paris ? Oui, j'habite à Montreuil. Ouais. Je suis née en Allemagne, j'ai épousé un Sénégalais. J'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral, donc un financement par l'école doctorale de géographie, qui n'est pas ouverte qu'aux géographes, mais aux politistes, aux sociologues, aux anthropologues aussi, même s'il y a beaucoup de géographes quand même. Et j'ai un contrat de 3 ans pour faire une thèse sur la gestion, la gestion de l'environnement en milieu urbain côtier. Alors moi, je m'intéresse au cas de la ville de Dakar, au Sénégal. Je travaille bien sur la question d'un territoire, comment ce territoire est investi par des populations très différentes. Mais maintenant, moi, mon angle de vue, c'est comment une population, en l'occurrence les Lébous, qui sont pas une ethnie, mais ils se définissent comme une collectivité, une communauté, qui se revendiquent en tout cas comme étant la population autochtone de Dakar. Celui qui va te dire « moi, je suis Lébou et je suis fier d'être Lébou », comment cette personne-là se représente le littoral. Et donc c'est là que ça devient quelque chose de plus anthropologique comme objet d'étude, parce que c'est comment une population se représente un espace, comment d'autres populations se représentent cette population dans cet espace. J'ai pas envie, si tu veux, que mes images n'aient qu'un statut illustratif. Je pense qu'elles auront vraiment dans la thèse une place, un statut cognitif, et limite qu'elles remplaceront un de mes chapitres de thèse. Enfin, que sur un de mes chapitres, je vais dire, là, allez voir le film. Et qu'il sera intégré dans l'ouvrage. Déjà, c'est une question de maîtrise du matériel, puisqu'elle ne maîtrisait pas, et en même temps, ça permettait pour elle aussi d'être introduite, moi en tant que Sénégalais, de faire la traduction aussi, donc ça a un peu facilité les choses. Il y a tellement de populations au Sénégal et on a toujours tendance à s'intéresser à ce qui est ailleurs que chez nous en fait. Comme les Lébous, c'est vrai que je les ai toujours côtoyés sans me demander qui ils sont vraiment. J'ai vraiment envie de développer sur la question des femmes et sur la question de comment les femmes perpétue la gestion traditionnelle Lébou du littoral. Parce que c'est beaucoup à travers les femmes que se transmet une connaissance des savoirs locaux, une connaissance des lieux où habitent les génies territoriaux, une connaissance des choses à faire pour être en accord et en harmonie avec la nature, avec les djinns, avec les génies. Oui, et du coup, tu organises ta vie entre le Sénégal et la France ? Je travaille 6 mois, je fais du terrain, et 6 mois, je reviens en France pour exploiter mes données, écrire, et voilà, et voir ma directrice de thèse. Et il faut scolariser les enfants, il faut trouver une nounou, il faut déménager les affaires, il faut réemménager, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Là, je vais monter un atelier de cirque à Dakar, mon mari est dans la musique, dans la vidéo, donc on est beaucoup en lien avec le milieu artistique. On aimerait créer un lieu culturel à Dakar. People keep talking. They can say what they like, but all I know is everything gonna be alright. No one, no one, no one can get it. Si tu veux, ce sujet me plaît. Je l'ai choisi, je l'ai aussi déterminé en fonction d'un potentiel financement. Il faut être clair aussi, parce que l'environnement, le développement durable, la gestion des ressources, tout ça, c'est porteur. Enfin, voilà, c'était aussi par intérêt que j'ai choisi ce sujet-là. Après,
le choix de la ville de Dakar, de la population, des plages, c'est parce que ça me plaisait. Et plus j'affine mon sujet, plus je vais vers quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Le lien et le liant, la famille et le territoire, la sociabilité et le quotidien, le doctorat et la vie sentimentale. Autant de points que je souhaite aborder et que ma rencontre avec Isabelle viendra soutenir comme un exemple de vie singulier, fort en aventure et création. Je me sens un peu seul là d'un coup. Comme si depuis quelques semaines, la thèse me prenait la main et occupait mon esprit un peu plus chaque jour.